Salut à toutes et tous, heureux de vous accueillir ici à Mestalla. Je suis au micro, vous vous en doutez, aux côtés de Pierre Ménès. On va vous commenter cette rencontre qui promet vraiment d'être spectaculaire. Valence affronte le Paris Saint-Germain. On espère qu'on ne va pas assister à un truc sans intérêt, ça arrive parfois dans les matchs amicaux. Les 11 joueurs de Valence qui vont débuter cette rencontre. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Stade de Mestalla où les supporters de Valence, comme souvent en Espagne d'ailleurs, agitent des petits mouchoirs blancs pour montrer qu'ils ne sont pas contents quand ça se passe mal. Oui, et là, à ce moment-là, en général, ça pue pour l'entraîneur. Les joueurs du UFC Valence qui engagent. C'est dans l'espace et c'est cadeau. Kylian Mbappé, et la barre, et l'action qui continue. Kondogbia à la récupération. C'était l'occasion de passer devant dans ce match, c'est clair. Vraiment pas de bol parce que le gardien était battu. C'est un corner pour le PSG. Ah, la belle précision de... Il s'est dégagé du point. Un tir lointain. Ah, il l'avait juste au-dessus de sa barre. Bien joué le gardien du bout des doigts. Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Ah, et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Neymar, il s'agaye. Neymar. La claquette du gardien qui dévie ce ballon. Et quand même pour les Parisiens. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. Elle n'était pas facile à capter cette balle, le gardien était bien attentif. Le gardien qui était très attentif sur cette frappe de loin. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Le corner de Di Maria dans la surface. Un mauvais dégagement là, attention. Ouais, le ballon récupéré par le FC Valence. Geoffrey Kondogbia. Kevin Gamero. Ah oui, la bonne passe. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Oh, c'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ah oui, penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Penalty transformé avec beaucoup de sang-froid, pas de problème. Le penalty est donc transformé. Ah, il a parfaitement pris l'information avant de frapper et il a juste froidement le gardien. Très bon pédo. Valence qui mène dans ce match. Alors, on va jouer de l'autre côté. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe.
Costa del Vaz. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La maîtrise du ballon n'est pas du côté de Valence, on s'en doutait un peu en fait. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Il est Sagueille. Mauro Icardi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, la bonne récupération, très haut. Kevin Gamero. Mauro Icardi. Et Neymar la frappe. Le Parisien qui égalise. Oh, attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là, tu vois, tout vient de cette passe d'ess. C'est là que la différence se fait. Et ils égalisent donc un but partout. Il protège bien son ballon, là. Rendu à l'adversaire. Mbappé. André Di Maria. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Ah, il a dévié au dernier moment du bout des doigts au-dessus de sa barre. Ah, il part bien ce corner de Di Maria. Mauvaise relance. La frappe. Et c'est sur la barre. Là, ces images à nouveau avec cette occasion assez nette qui passe vraiment tout près. Attention, ce corner de Neymar. Le danger ne viendra pas en tout cas de cette tête. Ouais, ça passe loin du cadre quand même. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ces 45 premières minutes. Qu'avez-vous pensé de la première période de Neymar? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Le Paris Saint-Germain qui donne le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, l'aile qui est totalement libre pour Neymar. Kylian Mbappé. Ouais, voilà le but. On le sentait venir. Et il est là. Et cette équipe qui prend l'avantage, c'est mérité. Maintenant, l'idéal, ce serait de confirmer. Ah, elle est belle cette action, Pierre, me plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé.
C'est le PSG qui mène. Bien protégé ce ballon. Geoffrey convoque bien. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Florenzi. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Et Maria. Idrissa Gueye. Ah, elle attaque enrayée. Allez, par-dessus. Ah, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Marquinhos. Verratti. Oh, c'était dangereux ça, mais la défense est bien intervenue. Un ballon pour l'adversaire. Marco Verratti. Elle est contrée cette frappe. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Mauvaise relance. Icardi. Mauro Icardi. Et le but, magnifique. Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts dans cette partie. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ezequiel Garay. Gabriel. Garay. Gonzalo Guedes. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Di Maria. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Le centre, mais contré par le défenseur. Marco Verratti. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, excellente intervention. Il récupère ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. Allez, le centre maintenant. Daniel Vaz, Maximiliano Gomez, Kondogbia, gardien qui nous régale encore avec cette parade. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Et c'est encore un corner. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Kondogbia. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Ouais, très fort ce qu'est en train de réussir le PSG dans ce match. Pour un peu, j'aurais presque rien à lui reprocher, c'est de dire. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. La contre-attaque était partie à 100 à l'heure. Les supporters y croyaient et il a manqué la conclusion. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attendait aussi, nous Hervé. Mais bon, il faut les mettre ces occasions-là. Hein, surtout quand on prétend être un spécialiste de la contre-attaque. Geoffrey Kondogbia.
Et ce match qui se termine à l'instant, le coup de sifflet final. La fin de ce match amical avec une équipe qui a été quand même convaincante. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Le constat est assez simple pour lui, un but quasiment un doublé, il s'en est fallu de quelques centimètres, la photo poteau. Peu importe, son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui.